bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous entrons la KO pour capable porter bah ou une nouvelle émission. Tout bagay en forme? Ben oui, c'est parti pour votre émission. Hier, au niveau de Bloc Djoumbala, on dit que la police li tiré deux individus. Individus, ça y est, c'est nèg qui te cave koyo la bon la rien là. Et puis, y a plein de moun sot la banque pour capable freeze yo. Pendant yon tal essaye freeze yon moun qui tap sorti la banque. Et puis, la police tap suivi yo. Sortant de la bang bang bang, yo perdi la vie yo. Tête chargée. Gardez-moi gen yon la qui tombe, gen yon 9 mm bon côté là. Parce que, pas oublier, m'toujours dit non que, manger ou remè, c'est la donne, l'argent ou gaspillé. Bah oui, parce que deux nègres qui ont été sortis, ils comprennent que ils prennent l'entrée. Et pourtant, ben pas de rentrée. Parce que, ou a fait ça que pas ça, ou entrer dans mauvais acte, et puis sortant de là, ou perdit la vie, ou donc gagne deux mauvais graines qui allaient toujours. Entre temps, faut que nous disions que gagne un affrontement entre agents brigade recherche et intervention qui s'est bris, qui finit mercredi 15 juin par la mort, ils ont présumé chef gang Route Peace là. Watson Gustave alias Mafia. Attendez comment on égare les têtes li? Mafia. C'est ça, service presse, relations publiques, la police nationale fait qu'on est. Watson Gustave alias Mafia, t'es spécialisé li dans détournement camion marchandises ak enlèvement. Si n'ta quoi autorité la police yo, intercepté dans niveau Delma 83, dans date mercredi 15 juin, eh bien, c'est ça, yo toujours dit, c'est langage policier yo. Il a été mortellement blessé ainsi que Younan soldat Lio qui t'est accompagné li dans cas d'échange de tir. Force l'audio fait qu'on est yo possédé ak saisi un pistolet calibre 9 mm qui t'est nommé monsieur Sayo. La police nationale d'Haïti dit li renouvelé volonté li pour capable bataille contre nèg Sayo cap simé la trouble dans la société. Tête chargée. Entre temps on dit que gagné la mort yon policier hier. Ça s'est passé au niveau de Carrefour Marassa. C'est un l'homme t'as capable dit qui désarçonné en pile monde. C'est inspecteur divisionnaire Robert Médard. Il a assassiné lui en date 15 juin 2022 dans zone Croix des Bouquets. Il était à bord d'un véhicule dans moment individu armé l'ouvrit coup de zame sous machine. Encore une nouvelle victime dans niveau police nationale d'Haïti. Inspecteur Médard Robert. Incident ça a produit dans zone Carrefour Marassa. Mercredi 15 juin 2022, commune Croix des Bouquets. Dans le moment côté individu, t'a tenté kidnapper propriétaire d'une station-service qui tout présonne. Constat criminel déjà verbalisé par bon côté un juge d'après information yo. N'a rappelé dans date 27 mai passé à policier Aneus Ketcham, lui-même tout est assassiné dans Carrefour Marassa dans commune Croix des Bouquets. En pile réaction sous la mort policier si là parce que il y a un pile monde qui a dit mes amis pour qui ça? Parce que policier ça va qu'on a affaire moun. T'as des bonnes choses. Même lors qu'on a affaire moun, ou pas n'a affaire moun, depuis ni forme la police là sous ou bien depuis yo suspect que ou ces policiers, eh bien, n'est yo capable de mettre dominant ou. Parce que, pas oublier, gon bataille là, entre les membres de 400 et des policiers. Ça veut dire, si gen policier qui a traqué yo, eh bien, pas supposé gagner un policier qui a la portée nèg sa yo. Nous toujours dis non ça. Faut que nous veillons sous quoi nous tous, nous même qui policiers yo. Parce que même lorsqu'on n'a pas en affaire avec personne, immédiatement on sait un policier, eh bien, gang n'a pas chamblé yo. Parce que les gens opérations pour démanteler gang, deux, trois gangs mourir, eh bien, nèg yo même, les sortis dans la rue, eh bien, depuis yo tombé sous policier, yo pas besoin qu'on rassou, yo pas besoin qu'on insulte en affaire avec yo ou pas. En pile précaution, la police l'a toujours dit non, écoutez, faut marcher en colonne. Faites un coup pour ce tabac. Par contre, si nous avons bête ça, parce que il toujours marché en colonne lui-même, eh bien, depuis nous marcher pour contre nous, eh bien, problème. Zone ça a mangé un pile policier. Non, songez, histoire. Patrice Israël. Ouais. La mort ça a marqué un pile, moun. La chapelle, moun. Dans la commune, mais en balai, parce que c'était un bon inspecteur. L'année, il a fini de tirer, inspecteur là. Il a allé avec lui dans la base. Et c'est là où il est. Yo, c'est inspecteur Israël. Et puis, c'est l'ESA qui a fait diligence pour être capable de mener l'hôpital. Et puis, inspecteur l'a mouru. Combien de policiers qui tombaient dans une situation si là? Posez tête nos questions. Nous même qui policiers. Et puis là, on a dit tête non, un maximum de précautions. Plutôt, yo, révoqué nous. Nous pas policiers encore que nous perdons la vie, non. C'est dans ces circonstances, yo.
Klein, directeur logistique Conseil national télécommunication Conatel, Jean-Romel Moussignac. Yo enlevé li lundi 13 juin, c'est nèg ki gen gros am nan meyo au niveau de avenue Christophe alors que li t'a paré pour capable entrer la caille. Jean-Romel Moussignac, c'est cousin Patrick Moussignac, PDG Caraïbes, qui était déjà kidnappé dans le mois de janvier 2021, alors que il est sorti dans le pays États-Unis d'Amérique. Ravisher yo réclamé environ $1 million en échange avec libération. C'est deuxième fois Jean-Romel Moussignac tombé dans le piège kidnapping. Premier cas, c'était en janvier 2021, alors que il est rentré à peine en voyage dans le pays États-Unis pour qu'on ait rançon qui exigeait. Par bon côté Ravisher yo, côté famille yo, attendre pour qu'on ait qui ça a dit. Pendant yo exige libération ni, collaborateur immédiat yo nan Conatel continue pour mettre barricade dans zone si la, bon Conatel, dans zone avenue Christophe. Genzen oui la nan Cité Soleil parce que talè à la m'tap fait yon émission côté que genyen yon citoyen qui fait un commentaire pour dire que ben écoutez, ça kap passe la kay mwen parce que même c'est moun Cité Soleil, n'da ramen konnen ça kap passe. Et bien fon dit que en pile coup de balle, journée 16 juin 2022 ans, au niveau de Cité Soleil. Fon dit que Batala te un petit gens concentré dans bloc boulevard américain en pile détonation. Tendez bien, bataille qui te gagné 10 juin passé entre Gabriel et monsieur G9 yo, alors GPEP G9. Et bien fon dit que Gabriel te perdu 2 soldats. Nèg pièce 6 yo même, yo te perdu un soldat. Et bien Gabriel te perdu 11 âmes. Gen yon lot zam kote ke gen yon blende ki li même te vini li pete bal et puis li pren zam sa tout. Ave dit tout nèg ap la chasse. Eh bien, Gabriel te dit l'ap descend. Eh bien, Gabriel t'ap tenté descend vrai. Mais fom di ke nèg ki nan va Genef yo ap pete bal en pile ak nèg Gabriel yo. Premier élément information ki ve jwenn nou c'est que nèg Genef yo yo refoulé nèg Gabriel yo. En pile zam oui. En pile détonation. On n'a pas encore de bilan. Et ça nous toujours dit tête, non, c'est que les batailles ça au fait, nous pas espéré que c'est moun nan population qui victime. Est-ce que nous comprenons? Nan moment n'a parlé la fon dit que nèg G9 yo gen contrôle tout périmètre yo. Nèg yo tout profité attaquer Gabriel nan plusieurs bord. GPEP pas capable résister face à Kasso sa yo, li obligé replier. Fait charger là. Fon dit que bataille Gabriel a fait dans Cité Soleil, bataille G9. Bataille sa yo ba yon fait comme ça, comme ça. C'est deux batailles stratégiques. Je dis à la nega di ket, ba m'fon coup de crayon, papa. Et puis, ils font coup de crayon, mais, faut m'dire non que, Gabriel, c'est non olié. Ça veut dire, ouais, si nèg yo pou ka met Gabriel de yo toujours, c'est vraiment yon bataille tactique kap fait. C'est comme si m'ta capable di yon duel Ancelotti, Jurgen Klopp. Ou ben, en finale, là, ça t'est passé comme si, nèg la ve, sortant de à la équipe la met en balle jouer. Et puis, ils font vie goal. Et bien, c'est comme ça, c'est sous papier bataille sa yo joué. En tout cas, n'a prêté tant pour nous connaître. Est-ce que gagné un bilan par rapport à bataille ça qui était gagné jeudi à fond dit que en pile chorale t'as chanté en bas dans cité a particulièrement dans bloc boulevard américain côté que nèg yo t'a touqué coup de zam nèg G9 ensemble avec nèg GPEP.